Donc salut, moi c'est Lil Kix, je viens de Thonon-les-Bains, j'ai 20 ans, je suis beatboxer et rappeur et je kiffe le Yo-Man beatbox. Good morning. Entre 13 et 15 ans, il y a eu vraiment une découverte du beatbox, donc je me suis entraîné tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai participé à 3 championnats de France d'affilée, j'ai fait des battles, je suis parti en Espagne pour l'End of the Week. Ouais, ce qui me plaît, c'est que quand tu beatbox, quand tu montes sur scène et que tu prends ton micro, t'es libre. Tu peux partir d'une idée fixe, c'est-à-dire ton petit choix à toi, et partir sur n'importe quoi et faire kiffer le public. Parce que le plus important dans ça, pour moi, c'est faire kiffer le public et transmettre quelque chose aux gens. Parce que le faire pour soi-même, c'est cool, mais voilà, il y a un moment où faut montrer ce que c'est. Et c'est vraiment du partage. J'aimerais vraiment faire ça jusqu'à la fin de mes jours parce que c'est ma vie. Ouais, vraiment, le beatbox, c'est comme quelqu'un qui fume 3 paquets par jour. Bah, moi, c'est ça. Faut que je beatbox mes 3 heures par jour. Les premiers championnats de France, c'est-à-dire les 3 que j'ai fait d'affilée, ça, j'ai pu voir beaucoup, beaucoup de beatboxers qui touchaient tous les styles. Qui m'a permis de faire les premières parties de Raga Sonic, Nek Marron, l'Algerino, la Fouine, etc., etc. Et à partir de ça, j'ai pris plus confiance en moi et je commence petit à petit, bah, grâce à IAPS aussi également, et tous les gens qui m'aident à m'améliorer, et au final, ça commence vraiment à donner quelque chose de cool. Je pense que cette boîte, celle qui est APS, ça me permettra de m'exprimer pleinement. Et j'espère vraiment que j'aurai 15 fois plus de scènes et que j'aurai vraiment l'occasion de m'exprimer. Mon style, c'est principalement du hip-hop, parce que sans me vanter ou quoi que ce soit, j'ai assez une grosse culture hip-hop et je me retrouve là-dedans dans les sonorités telles que DJ Premier, Gangstar, Notorious B.I.G., ça c'est vraiment ce qui me ressemble. Faut jamais, jamais, jamais s'avouer vaincu et continuer à croire en ses rêves. Et IAPS, ça sera Lil Tix, IAPS, il y aura toujours les deux réunis. Lil Tix, for IAPS, Generation.